Une rencontre avec le casting d'un si grand soleil, c'est l'assurance de croiser des fans fidèles. Welcome to Lille. Mais alors, quelle est la recette d'un tel succès? Un programme pensé pour toute la famille qui s'invite chaque soir à la maison. On se réunit avec le papa et la sœur et on regarde tous les soirs en famille. C'est un moment de détente. Vous êtes fan de la série? À cause de ma femme, oui, parce que le repas, c'est toujours à ce moment-là. Donc on est obligé de suivre. Sinon, je dors sur la carpette. Et dans le public, beaucoup mettent en avant le profil des personnages, attachants. Les téléspectateurs s'identifient facilement. On vit plus ou moins leurs problèmes avec eux. On se dit, ah ben, moi, je suis passé aussi par là. On s'attache aux personnages malgré tout, parce qu'on se dit, ben ouais, ça aurait pu nous arriver aussi. Un si grand soleil, c'est donc la série populaire. Trois saisons, plus de 700 épisodes qui racontent l'intimité de plusieurs familles. Non, c'est pas insistant. C'est du harcèlement, ça. Et le soleil brille, car le programme bat des records. Plus de 4 millions de téléspectateurs pour le dernier épisode diffusé. La série est la plus regardée des programmes d'après 20h. Lui, il pourra continuer son petit jeu avec d'autres femmes. On traite plein de sujets, d'actu, de sociétés qui sont importants. On touche beaucoup de sujets. On va aussi bien dans des sujets sociétaux que du polar. Et donc, s'il fait qu'il y a de l'action. Et comme pour des rockstars, les acteurs sont attendus dès le matin. Bien avant l'effervescence de la rencontre, Bérangère, fan inconditionnel, était déjà là. Je suis venue exprès, hein. Sinon, si je pouvais les voir en coup de vent, c'est pas la peine. Hein. 5 heures d'attente pour quelques instants d'échange. Il y a 3 ans, vous étiez plus calme. Et un autographe de plus pour ses fans. Bien sûr. Ah, je suis très contente. Oui. Ça fait du bien. Alors, je suis très contente de vous rencontrer. Oui, moi aussi.